Je pense également qu'aujourd'hui, nous allons aborder les questions importantes, la crise financière et les questions d'immigration. Vous savez que le travail décent également doit s'appliquer à l'ensemble des travailleurs, particulièrement aux travailleurs migrants, qui ont également des droits dans les pays réceptifs. Je pense que ces droits s'étendent à tous les niveaux, le droit de s'organiser, le droit d'avoir des papiers en bonne et due forme, le droit au travail, le droit au logement. Ces questions interpellent donc l'ensemble de la communauté internationale, particulièrement les syndicats. Et nous devons tous agir ensemble en développant des synergies et une solidarité pour prendre en charge ces questions des droits des travailleurs migrants partout dans le monde, mais également faisant une campagne de ratification des conventions sur la migration de la météo. Ainsi, nous appelons donc la CIC à s'impliquer, à continuer de s'impliquer, à soutenir les organisations syndicales qui sont engagés dans ces luttes pour donner aux travailleurs migrants partout dans le monde les conditions de dignité, mais également de santé et de sécurité au travail.